Et bienvenue à vous pour cette deuxième édition des CFC Talks. CFC Talks est une émission proposée par Casablanca Finance City. Place financière africaine engagée pour l'avenir du continent, nous y adressons des thématiques qui sont au cœur des priorités des investisseurs sur le continent africain. La thématique de ce jour est celle de la cybersécurité en Afrique. Quelle place pour le continent dans l'échiquier mondial et quels enjeux stratégiques pour les entreprises africaines dans quelques instants, nous allons accueillir des partenaires et membres de la communauté CFC qui apporteront leur expertise et un retour d'expérience terrain. Mais avant cela, nous rejoignons M. Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City, pour son mot d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des CFC Talks. Lancé en 2021, ces débats visent à donner une perspective africaine et un retour d'expérience terrain aux investisseurs locaux et internationaux qui souhaitent étendre leurs activités sur le continent. Fort d'une communauté de 200 entreprises opérant sur 50 pays, CFC souhaite accompagner et contribuer à changer la perception que se font les investisseurs sur notre continent. La thématique retenue pour cette édition est celle de la cybersécurité. En effet, un nouveau paradigme s'installe. La transformation digitale, entamée depuis quelques années et catalysée par la crise Covid, constitue un véritable accélérateur de développement. Reprenez la multiplication du nombre de licornes africaines, le boom du commerce électronique, des services e-gov, de l'enseignement à distance ou encore l'adoption croissante du télétravail. Néanmoins, cette transformation s'accompagne également d'une augmentation significative des risques cyber. Nous assistons à des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, nombreuses et surtout coûteuses. Selon Interpol, le coût de la cybercriminalité en Afrique en 2021 est estimé. À plus de 4 milliards de dollars et ces attaques ciblent tous azimuts grandes entreprises PME ministères institutions publiques etc l'Afrique comme le reste du monde doit s'armer et se préparer pour faire face aux défis de la cybersécurité et c'est précisément dans ce sens qu'elle constitue un terreau favorable pour le business au-delà des seules dimensions technologiques L'agenda cyber en Afrique passe par une meilleure sensibilisation, une formation ciblée des talents, ainsi qu'une collaboration inclusive impliquant les diverses parties prenantes. Il s'agit du secteur public, du monde de l'entreprise, du monde académique, des ONG ou des institutions panafricaines. Au sein de notre communauté, nous sommes ravis de compter un noyau dur l'entreprise spécialisée en cyber au Maroc et sur le continent. Nous aurons l'occasion, lors de cette émission, de bénéficier de leur expérience. Je souhaite remercier l'ensemble des intervenants de grande qualité qui ont accepté notre invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables échanges. Merci Monsieur Saïd Ibrahimi. En effet, les attaques cyber sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus coûteuses aussi. Elles touchent tous les secteurs d'activité. Pour analyser ces tendances et poser le contexte global, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ahmed Balaka, associé chez Deloitte et managing partner de l'activité cyber pour la France et l'Afrique francophone. Ahmed, bienvenue. Merci Manal. Vous êtes l'un des leaders reconnus de la cybersécurité en Europe et vous avez notamment mené le développement de l'activité cyber en France et en Afrique francophone avec plusieurs centaines de collaborateurs dédiés à la cyber sur cette zone. De l'OAT, on connaît bien sûr. C'est plus de 50 milliards de chiffres d'affaires sur le plan mondial et vous me le disiez tout à l'heure, 2 milliards sur le métier cyber. Vous avez aussi récemment créé la filiale cyber à Casablanca au sein de Casablanca Finance City. Je vous propose qu'on regarde ensemble cette courte Vidéo et qu'on revienne juste après pour recueillir vos réactions et en parler. La cybersécurité est la pratique de la protection des systèmes, des réseaux et des programmes contre les attaques numériques. En 2020, il a été estimé que le coût moyen d'une violation de données s'élevait à 3,86 millions de dollars et plus de 61% des entreprises africaines ont été victimes de cybercriminalité de type ransomware. Des enquêtes menées par Deloitte ont montré que de nombreux conseils d'administration n'abordent pas le sujet de la cybersécurité aussi souvent qu'ils le devraient. En fait, les entreprises africaines n'allouent pas une part suffisante de leur budget à la cybersécurité. 66% des entreprises investissent moins de 200 000 euros par an. Le manque de sensibilisation et de priorité est un défi majeur de la cybertransformation dans les entreprises ce qui les maintient vulnérables à une augmentation des attaques. Selon l'enquête, 49% des organisations mondiales et seulement 12% des entreprises africaines discutent de la cybersécurité lors des réunions de leur conseil d'administration sur une base trimestrielle. Aujourd'hui, avec les effets de la crise Covid, la cybersécurité est plus importante que jamais en raison du travail à distance qui provoque une fenêtre d'exposition accrue aux cyberattaques. En 2020, les cyberattaques ont été classées au cinquième rang des risques les plus importants, la cybercriminalité ayant augmenté de 600% à la suite de la crise Covid-19. Les entreprises africaines ont des difficultés à protéger leur organisation en raison de ressources limitées en matière de talent. 28% des entreprises ont déclaré être mal préparées à faire face aux menaces de cybersécurité tant en termes de capacités techniques que de ressources humaines. Selon l'ISC2, le monde souffre d'une pénurie chronique de talents, avec plus de 1,2 million de cyberprofessionnels. 65% des organisations souffrent d'une pénurie de personnel de cybersécurité. Le risque cybernétique est partout, et ces évolutions obligent les entreprises à changer de mentalité. Et a adopté de nouvelles approches et stratégies pour mieux progresser dans la gestion de la cybersécurité. Bien, des chiffres et un diagnostic assez parlant, donc, recueillis de l'un des récents rapports de Deloitte sur la cybersécurité. Pourriez-vous partager avec nous un panorama du niveau de maturité de la cybersécurité en Afrique Merci Manal. Euh, je pense qu'il faut d'abord euh, redéfinir ou définir ce que c'est la cyber, parce qu'on on attache le mot sécurité à la cyber. En réalité, la cyber elle est beaucoup plus large. On parle de sécurité de l'information, on parle de, de protéger effectivement les systèmes sensibles, mais ça va au-delà. Ça va jusqu'à euh, supporter les innovations en matière technologique, ça va jusqu'à les disruptions en termes d'usage, euh, la conquête de marchés nouveaux. Donc le continent africain est pleinement euh, touché par, euh, par ces enjeux-là, hein, en termes économiques, aussi en termes numériques. Donc le continent africain n'a pas de différence particulière avec les autres zones géographiques dans le monde en matière d'enjeux, en matière de, de, enfin de défis relatifs à la cybersécurité, puisque les attaques sont systémiques, le risque est le même partout, et les spécificités sont finalement propres à un niveau de maturité qui, bien sûr, diffère en Afrique par rapport au reste du monde. Je pense qu'il y a eu une double injonction, donc il y a à la fois une, une évolution extrêmement significative ces dernières années en matière d'usage. De, de, de rupture numérique, ce qui, est, ce qui est formidable, et à la fois, euh, effectivement, donc on l'a vu ensemble, un manque d'investissement je dirais chronique, mais en tout cas qui n'a pas suivi euh, 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 au même rythme que les investissements que qui ont été opérés en matière de numérique. Donc, euh, euh, sur les chiffres maintenant, euh, la plupart des entreprises africaines euh, investissent peu en cyber. Il faut, le, enfin, il faut le rappeler. Il y a eu une prise de conscience récente dans les boards, dans les, dans les au sein des CEOs de structures, au niveau des États, euh, au sujet de la cybersécurité. Donc, ils comprennent que c'est un sujet important, stratégique. Euh, la prise de conscience doit maintenant être traduite par des investissements concrets. Pour, pour relever un petit peu ce défi-là, à la fois en matière de technologie, de plateforme, en matière humain, enfin de, de facteurs humains, et à la fois en matière stratégique. C'est-à-dire que le, les, la cybersécurité doit supporter maintenant les plans stratégiques d'entreprise, en matière, comme je l'ai dit plus tôt, de conquête de marché nouveau, euh, ou bien simplement en matière de résilience. Très bien. Et justement, quels sont euh, les, les défis majeurs et quels sont, selon vous, les priorités en termes de cybersécurité en Afrique Ils sont, ils sont, ils sont nombreux. Je dirais que d'abord, il faut assurer, enfin, il faut assurer la base. Donc la base, c'est la protection des, des actifs sensibles. Euh, donc il s'agira, bien sûr, pour une entreprise, pour un, un acteur étatique, de identifier euh, les actifs. Très sensibles ou sensibles euh, sur lesquels il faudra agir et les protéger d'une part. Les protéger comment Donc un triptyque protéger, euh, réagir ou, euh, ou devenir résilient. Mais il y a différentes approches. Euh, donc d'abord bien sûr un investissement. Enfin je l'ai rappelé plus tôt technologique pour euh, sécuriser euh, sur sur le point de vue informatique et, et technologique euh, euh, enfin, les systèmes d'information de chaque entreprise. Il y a aussi le facteur humain. Donc la plupart des cyberattaques d'ailleurs sont, sont souvent dues. À des, euh, à des usages qui sont mauvais, à des usages qui ne sont euh, pas pertinents en matière de, 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 de SI. Donc la formation, la sensibilisation est un, est un élément extrêmement important qui n'est pas très coûteux. Donc il ne s'agira pas d'investir des, des milliards euh, euh, sur le sujet, mais de revenir à la base. Donc revenir à la base en, en matière de sensibilisation des et mais pas que, euh, jusqu'aux ouvriers, dans les usines, opérateurs bancaires, télécoms ou autres. Puis enfin il y a, il y a un sujet, c'est la formation. Donc il y a une pénurie mondiale de talents. La chance qu'un continent africain, c'est un continent jeune, donc il faudra bien sûr euh, investir au niveau étatique, aussi au niveau privé, promouvoir en tout cas l'investissement qui favorisera l'émergence de talents demain. Ça passe par bien sûr la, la construction de d'écoles dédiées, de laboratoires de recherche, d'écosystèmes de, de, qui favoriseront l'émergence d'experts euh, cyber africains au service de l'Afrique aussi en collaboration, bien sûr, à ce qui se passe dans le monde, parce qu'il ne s'agirait pas de rester déconnecté, mais euh, simplement de, de créer une souveraineté africaine en cyber euh, et numérique qui collabore, bien sûr, avec nos partenaires, nos alliés dans le monde. Des écosystèmes comme ceux de, du campus Cyber France, qu'on aura le plaisir d'accueillir euh, tout à l'heure. Euh, Ahmed Balaka, je souhaiterais vous demander quels seraient vos trois messages clés pour les entreprises qui nous regardent aujourd'hui et qui s'intéressent à cette thématique cyber euh, je dirais le premier message, c'est élaborer une stratégie cyber. Euh, donc Souvent, la stratégie cyber n'est pas portée uniquement par le, le, enfin le RSSI, le responsable de sécurité de DSI. Elle doit être portée au niveau le plus élevé, par le board, par les actionnaires, par le, les superviseurs régulateurs. Euh, euh, Celle-ci doit euh, être alignée avec la stratégie business. Donc, en gros, c'est euh, quels sont mes défis de demain en matière de business, comment je m'assure qu'une qu stratégie cybersécurité m'épaule dans ces défis-là. Euh, et c'est important. Donc, il faut la piloter, euh, il faut la structurer euh, et avoir une roadmap, donc un, un, une feuille de route à horizon deux à trois ans maximum parce qu'au-delà, c'est compliqué compte tenu des évolutions très rapides euh, en cybersécurité. Deuxième sujet, euh, c'est la formation en sensibilisation. Euh, D'abord, des c'est important. C'est important. Donc, il y a, y a une vraie prise de conscience sur le sujet et du sujet. Il euh, y a, bien sûr, un contexte euh, géopolitique mondiale, enfin, qui est ce qu'il est. Euh, il y a des tensions économiques, mais aussi beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux de, euh, économiques notamment. Et, et la cyber, finalement, est un moyen pour assurer la souveraineté numérique. Laquelle est un moyen pour assurer la souveraineté économique de chaque acteur, mm -hmm. euh, que ce soit dans le monde bancaire, télécom, euh, industrie ou autre. Donc, c'est assez important. Et elle passe par simplement euh, la, la, je dirais, euh, élaborer des, des actions en fait euh, commando assez ciblées en matière de formation, de sensibilisation, d'illustration. Il y a, vous savez, même en Europe, euh, qui est pourtant a un niveau de maturité assez élevé, plus élevé en tout cas qu'en Afrique en matière de cyber. Il y a plusieurs entreprises qui ferment définitivement suite à un cyberattaque. Donc, ça reste, ça reste significatif comme risque. Le troisième enjeu pour l'Afrique, ce sont les écosystèmes. Mmh. Les expériences, effectivement, en France euh, l'ont montré, mais aussi en Israël, en, en Russie, en Chine, aux États-Unis. Les écosystèmes sont clés, euh, un peu comme euh, ce qu'a fait le Maroc à Tanger avec l'écosystème automobile. Euh, il faudra euh, que les acteurs privés, dont Deloitte, dont nos le confrères, euh, les universités de recherche, euh, enfin, les de recherche, pardon, les entreprises, euh, l'État, puissent effectivement convenir d'une stratégie nationale ou panafricaine même pour élaborer des écosystèmes euh, d'acteurs euh, divers et différents qui opèrent en cybersécurité. Les écosystèmes vont faire émerger les start-up africains de demain en matière de cybersécurité. Elles feront émerger euh, des, des talents qui vont supporter finalement l'expertise qui manque en Afrique. Puis enfin, elles feront que l'Afrique demain se placera dans l'échiquier mondial cyber et répondra euh, vraiment avec la place qui lui est due euh, en matière de, enfin, de risque de cybersécurité. La mise en place d'écosystèmes, c'est toute la conviction de Casablanca Finance City également, qui regroupe aujourd'hui plus de 200 entreprises qui opèrent ensemble sur le continent africain. Aïmad Balaka, je souhaite vous remercier infiniment pour votre éclairage. Nous sommes ravis de vous compter parmi les membres de cette communauté CFC. À bientôt. Merci Manal. Nous allons accueillir maintenant notre premier panel qui va porter sur un retour d'expérience terrain du continent africain. Le temps que mes invités s'installent, à tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table monsieur Yaya Touré, DSI de la Banque Atlantique, qui a fait le déplacement depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai aussi le plaisir d'accueillir également monsieur Hassan Beloui, Chief Operating Officer à l'UM6P et également directeur de développement de la cybersécurité à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bienvenue. Bonjour. Et notre troisième panéliste aujourd'hui, Monsieur Ali Lazouzi, directeur général de Data Protect et membre de la communauté CFC depuis 2018. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Plaisir partagé, madame. Alors, je le disais tout à l'heure, cette première discussion va porter sur vos retours d'expérience terrain de la pratique et tendance de la cybersécurité en Afrique, avec trois perspectives complémentaires, celle d'un cabinet de conseil, d'une banque majeure dans la région UMOA, et également une perspective du côté du talent pool, les ressources humaines, et aussi une partie de l'infrastructure avec l'UM6P. Je vais commencer par vous monsieur Ali Azouzi. Al vous êtes donc expert en cybersécurité avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Vous avez occupé de nombreux postes de responsabilité au sein de multinationales au Maroc et à l'étranger. En 2009, il y a 13 ans donc, vous avez fondé Data Protect, un acteur de référence en cybersécurité au Maroc et dans la région. Vous employez aujourd'hui une centaine de consultants cyber et intervenez dans une quarantaine de pays à travers le monde. Première question pour vous, M. El-Zouzi, quel est votre retour d'expérience terrain par rapport à l'évolution et la maturité de la cybersécurité en Afrique ces 13 dernières années ben Écoutez, effectivement, on intervient depuis maintenant 13 ans hein, en Afrique. Euh, force est de constater aujourd'hui que effectivement, euh, on constate une recrudescence des attaques de façon même spectaculaire. Les deux dernières années, ça a encore s'est amplifié, notamment sous Covid et puis euh, à travers euh, surtout un certain nombre de facteurs, notamment tout ce qui est transformation digitale. Et, et nous avons aujourd'hui, je dois dire, vraiment euh, affaire à un underground qui est vraiment très, très, très actifs en matière de cybercriminalité -cyber 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 dans la région, euh, de telle sorte que, vraiment, dans un certain nombre de, de pays, vraiment, c'est devenu un métier. C'est un métier et, et c'est quelque chose, euh, en tout cas, qu'on voit euh, comme étant de très organisé, d'accord on a affaire à des groupes vraiment qui sont très organisés. Il y a de l'offre, il y a de la demande au niveau de l'underground. Il y a même des fois vraiment, euh, je dirais, même euh, du service après vente. C'est une activité aussi ce qu'on constate qui est très facile. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer dans des vraiment des activités cybercriminelles. Ça n'hésite pas vraiment un knowledge qui est très très avancé. Il suffit euh, vraiment d'être motivé. On peut même recourir à des services malveillants de groupes, euh, d'ailleurs, qui ne se retrouvent même pas sur la région. Euh, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, tout ça nous incite à dire effectivement qu'on on est quand même dans une région où, où, où euh, on constate une réelle effervescence, euh, je dirais, de, de l'activité cybercriminelle. Euh, le secteur de la finance, effectivement, c'est un secteur qui est euh, très touché, donc euh, parce que tout est monnayable dans un secteur comme celui de la finance. Donc, on voit de plus en plus de fraudes, que ce soit sur des environnements de core banking, de Swift, de, euh, aussi monétique. Et, et aujourd'hui, effectivement, euh, ce que nous constatons, c'est que d'ailleurs, euh, en termes de coopération entre les, les pays africains, c'est quelque chose qui n'est pas au rendez-vous et qui, aujourd'hui, on constate que des groupes se déplacent d'un pays à l'autre, attaquent aujourd'hui un secteur, demain un autre secteur, et, etc. Donc, euh, voilà, vraiment, on a plutôt... Aujourd'hui, un retour d'expérience qui est certes très riche et varié, mais aussi par rapport vraiment à tout ce qui est attaque cybercriminelle, on voit vraiment de plus en plus d'attaques et d'attaques même spectaculaires dans un certain nombre de cas. Merci beaucoup, euh, Monsieur Azouzi. Euh, je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Yaya Touré. Vous êtes directeur du système d'information chez Atlantic Business International, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire. ABI est une holding de neuf banques et quatre compagnies d'assurance à travers les huit pays de la région UMOA, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Vous êtes ingénieur en informatique avec plus de 17 années d'expérience dans les métiers de la technologie appliquée au domaine bancaire. Monsieur Touré, quel est votre retour d'expérience terrain à vous en tant que représentant du secteur bancaire et de surcroît d'une banque majeure établie dans plusieurs pays africains Effectivement, je, je confirme ce qu'il disait tout à l'heure, Monsieur Azouzi. La question de la cybercriminalité est vraiment d'actualité dans notre région. Beaucoup d'établissements bancaires d'opérateurs dans le domaine du mobile money et leurs clientèles respectives se sont ont été victimes de ce, de ce fléau. Euh, vous avez effectivement, on observe effectivement que euh, ces cyberattaquants agissent aujourd'hui dans un cadre transfrontalier. Vous avez des, 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 des hackers qui, sont, qui ont l'expertise, par exemple, technique, qui peuvent être basés à Bidjan, qui attaquent des institutions bancaires au Mali, au Sénégal, et ils ont des relais sur place locaux qui vont identifier des, 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 des mules, comme on dit, des, des clients qui viendront ouvrir des comptes dans les banques avec de fausses pièces d'identité effectuées, des, des retraits. Euh, donc, euh, avec ces procédés-là, les plateformes monétiques sont touchées, euh, les, les services de transfert d'argent également sont impactés, euh, et, 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 et ce phénomène prend de plus en plus de, de proportions. Mais on peut noter tout de même euh, que euh, les, les, le, notre secteur, celui qui, qui, qui est en premier lieu touché, s'organise donc il y a des durcissements des des, des dispositifs de, de sécurité qui, qui sont mis en œuvre et, et, et les cyberattaquants ont tendance donc à, à basculer en ciblant directement la clientèle maintenant la clientèle qui bénéficie des services des services digitaux et, et donc c'est désormais eux les les cibles privilégiées parce que bon la culture du digital euh, n'est pas fortement au, forcément au rendez-vous et on doit agir en ce sens pour davantage former, éduquer et sensibiliser notre clientèle. Très bien. Merci beaucoup, Yaya Touré. Je reviendrai vers vous pour en savoir un petit peu plus sur comment vous vous organisez au niveau du groupe BCP, justement. Alors, la question du talent pool nous a été remontée comme étant capitale pour le sujet cyber. Nous en parlons depuis le début de cette émission. Je me tourne vers vous, M. Hassan Beloui. Vous êtes docteur en mathématiques de l'École normale supérieure, le nsk depuis octobre 2020, vous êtes en charge de diriger et développer les partenariats de l'UM6P. Auparavant, vous aviez passé 25 ans entre, en Europe entre la recherche industrielle et le conseil aux entreprises. Quel est l'état de lieu actuel au Maroc et en Afrique en termes de disponibilité des ressources qualifiées Quelles sont un peu les différentes typologies de profils nécessaires Et surtout, comment créer cette vocation cyber au sein de, de ce talent pool Bon, merci pour l'invitation d'abord et, et, et l'opportunité qui nous est donnée pour parler de ce sujet il est hautement important. Les ressources humaines sont, comme tout le monde le sait, au niveau d'une société c'est l'actif principal, au niveau d'une entreprise, au-delà de tout actif matériel, c'est l'actif principal et peu importe quelle, quelle discipline on prend, ça reste une question centrale de former les talents et de former les talents pour les besoins que, que nous avons. À l'université nous sommes conscients effectivement euh, d'adapter nos formations à, 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 aux besoins de nos partenaires industriels et besoins de l'économie marocaine en particulier dans un premier temps et l'économie africaine dans un second temps. Et la cybersécurité, euh, malheureusement, force est de constater que les ressources se font très rares. Elles sont très rares, peu importe l'échelle, même à l'échelle mondiale. Euh, nous avons commencé à développer l'activité de recherche en cybersécurité au sein de p et effectivement il y, a, il y a, quand on regarde il y a une pénurie de, de chercheurs le plus haut niveau si j'ose dire des, des, des gens formés il y a une vraie pénurie euh, sur, sur, sur ces, ces talents de poule il y a une pénurie des ingénieurs de recherche euh, des ingénieurs en cybersécurité il y a une pénurie des techniciens il y a quasiment une pénurie partout et la cybersécurité je pense mes, 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 mes collègues euh, que, ne peuvent qu'acquiescer et être d'accord, c'est euh, on ne peut pas euh, digi digitaliser sans protéger, si j'ose dire. Donc il y a la digitalisation qui est en cours. Euh, cette pandémie que nous avons vécue, et peut-être que nous en sortirons bientôt, euh, était l'opportunité, effectivement, pour un certain nombre de, de personnes malveillantes de multiplier les attaques, euh, tout en, en étant consciente, effectivement, que euh, les entreprises se sont mises euh, au télétravail quasiment à 100% pour un certain nombre d'entre elles, que ce soit marocaines ou africaines. Et face à ça, euh, il y avait très peu de ressources pour protéger euh, tout ce flux d'informations, tout ce flux de données qui passent. Euh, donc nous, euh, on est en train de développer des, des, des formations pour effectivement répondre à ce besoin pour le Maroc et pour l'Afrique dans un second temps. Et, et euh, pour attirer les jeunes... Si j'ose dire, euh, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer un peu plus au niveau de l'université. Il euh, y a, on, on constate chez les jeunes que nous que nous recevons parmi les concours, euh, je dirais un certain nombre d'appétences pour l'informatique mm -hmm. et, et, et les mathématiques, parce que la, la cybersécurité est une discipline au carrefour de plusieurs disciplines, si j'ose dire, que ça soit des disciplines soft ou des disciplines hard. Et il euh, y a une, y a une il y a, y a une tendance euh, qui va vers le monde digital, qui va vers le métaverse ou, ou toutes ces choses-là, pour lesquelles les jeunes qui sont nés dans la génération iPad, si j'ose dire, euh, sont automatiquement euh, attirés vers ces choses-là. Et nous avons qu'à les inciter un peu plus à ce qu'ils viennent. Et c'est ce que nous constatons effectivement parmi les, 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 les jeunes recrues, que, les jeunes étudiants et, et stagiaires que nous prenons à, à l'UMCSP L'Afrique, c'est 25% de jeunesse, justement, et il y a quelque part cette contradiction, parce qu'on parle de pénurie des talents, mais en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de talents qui portent à l'international. Euh, quelle est un peu votre lecture, vous, de, de, de cette situation bah c est, c est, Cette jeunesse est une, est une opportunité pour l'Afrique. C'est une, une opportunité, c est, c est, je dirais c même c'est la richesse première de l'Afrique, cette jeunesse. Et donc, il va falloir trouver les moyens de retenir cette jeunesse, de la former sur place. Si vous touchez à un secteur tel que la cybersécurité, force est de constater, il est très rare, effectivement, que ces jeunes non européens ou non américains s'ils partent dans des pays comme ça, il est très peu probable qu'ils accèdent à des formations de premier niveau sur ces aspects-là. Donc, il va falloir que nous, on développe ces formations pour eux, pour qu'ils travaillent ici, pour qu'ils développent ici. Ah. Sur ces aspects de cybersécurité. Je peux comprendre que sur d'autres aspects, ils puissent être attirés par l'étranger. Mais sur cet aspect-là la cybersécurité, il va falloir que nous répondons à leurs attentes pour qu'ils restent chez nous. Absolument. Absolument. Très bien. Merci beaucoup à bien. vous, monsieur Bellouis. Je repasse vers vous, monsieur euh, Ali euh, Zosi. Vous disposez euh, d'un centre d'opération de sécurité au sein de Data Protect. Euh, Yaya Touré est d'ailleurs l'un de vos, de vos clients. Euh, quelles sont les tendances que vous observez dans cette cellule de cybersécurité Quelles sont les dynamiques euh, que, que vous observez et est-ce qu'elles sont similaires à ce que l'on voit à l'échelle internationale euh un SOC, c'est un centre de supervision des événements de sécurité. Je dois dire, au niveau de Data Protect, on gère quelque chose, quand même, dans les environs de 500 000 événements par seconde. Donc, c'est immense. C'est du Big Data, ça nous donne une visibilité un peu sur tout ce qui se passe en termes de tendance au niveau de la cybersécurité. Dans la région qui nous concerne, ce que nous constatons, d'ailleurs, on a plusieurs reprises été vraiment amené à mener des investigations suite à des actes frauduleux, suite à des événements indésirables qui touchent bien entendu la cybersécurité. Et, et nous constatons que souvent, les organismes ne traitent pas les petits signaux. C'est-à-dire entre le moment où il y a eu l'attaque ou le moment où, 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 où vraiment il y a eu une compromission. Des fois, on parle en moyenne. On a fait une étude d'ailleurs à un moment donné. On parle du moyen de six mois cest à ici, le pire qu'il peut y avoir dans une entreprise, c'est de se lever un bonjour et de constater qu'il y a quelque chose qui va pas et qui date depuis de plusieurs mois, voire plusieurs années, dans... On n'était même pas au courant, mmh. donc c'est c'est ce qu'on appelle de la détection. Donc euh, c'est vraiment c'est la première couche basique de la cybersécurité qu'il faut vraiment euh, développer. Maintenant euh, tout ce qu'on va faire euh, à travers tout l'arsenal, on va dire de cybersécurité à mettre en place, on va faire de la prévention. Effectivement on va faire en sorte à ce que ces événements indésirables ne se produisent pas, mais dans le pire des scénarios, si jamais ça se produise, ben euh, qu'on le sache et, et puis et qu'on puisse aussi gérer un peu les conséquences par la suite. En tout cas, aujourd'hui, à travers notre SOC, nous constatons, comme je disais au début d'ailleurs, il y a une récréduissance des attaques, des attaques notamment dans le secteur qui vise le secteur bancaire parce que c'est un secteur où tout est monnayable, mmh. tout ce qu'on peut avoir vraiment comme données, comme data au niveau du secteur financier vraiment monnayable. Alors maintenant par rapport aux tendances mondiales, je pense pas qu'on est complètement, je dirais, bah, c'est pratiquement aligné. Tout ce qu'on voit un peu à l'échelle internationale, c'est ce qu'on voit aussi au niveau, au niveau, au niveau africain. Peut-être quelques 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 spécificités. Il euh, faut dire quand même que dans les top 10 des pays les plus actifs en matière de cybercriminalité, nous avons deux pays africains. Mmh. Donc c'est c'est vraiment et c'est pas pour rien aujourd'hui, des gens utilisent même le terme de paradis cybercriminel mmh. euh, en Afrique et des pays où euh, on n'a même pas la possibilité d'acheter quelque chose sur un site marchand international parce que l'adresse la, IP publique euh, du pays en question elle est des fois blacklistée. Et donc voilà c'est c'est un véritable problème aujourd'hui et qui relève aussi des fois même du du in business parce que vraiment la, cyber, la cybersécurité aujourd'hui, c'est carrément une question de gouvernance, de la bonne gouvernance. Oui. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus vraiment que c'est quelque chose dans les agendas, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc voilà, vraiment, en tout cas, nous, on observe carrément vraiment les mêmes tendances qu'on voit à l'international. Euh, aussi par rapport à ce qui se passe aussi dans notre région qui est l'afrique subsaharienne euh, où on intervient à, à, je dirais beaucoup Absolument. Merci beaucoup. Effectivement, on a noté tout à l'heure également dans la conversation euh, précédente l'importance de mettre ces sujets au plus haut niveau au niveau du, des conseils euh, d'administration. Vous avez cité ces risques, ces risques qui sont certains, le fait de ne pas pouvoir euh, aussi euh, payer sur certains sites internationaux euh, parce que notre adresse IP est une adresse IP africaine. En même temps, j'ai envie de vous de vous demander euh, quelles sont de votre expérience, là, vous, vous vous êtes établi depuis un certain moment sur le continent, comment vous voyez les choses évoluer justement pour Rassurer les investisseurs et montrer la tendance positive dans laquelle nous dirigeons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les choses qui ont été mises en place pour contrer un petit peu cette image un peu négative que peuvent avoir les investisseurs internationaux sur le continent ben, la, la bonne chose aujourd'hui déjà, je dirais, c'est vraiment la cybersécurité. Ça ne s'improvise pas. Donc il y a des normes, il y a des standards internationaux, il y a de la réglementation. Donc aujourd'hui, forcément de constater quand même il y a un effort qui a été fait et vraiment que ce soit par les autorités de régulation, les banques centrales régionales vraiment euh, prennent le sujet très très au sérieux et aujourd'hui, impose un certain nombre de directives, un certain nombre de règlements de réglementations justement pour forcer un peu les choses en matière d'investissement en matière de cybersécurité et pour faire en sorte est-ce que les acteurs concernés vraiment prennent les choses très au sérieux Aujourd'hui, on, on on voit d'ailleurs, je dirais, on a été sollicité sur un certain nombre de, de je dirais, de, de missions où carrément euh, ça a failli mettre en péril l'entreprise en question, elle était au bord de la faillite. Donc euh, vraiment aujourd'hui, je ne pense pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de prise de conscience à très haut niveau, même des fois euh, vraiment des enjeux de la cybersécurité et C'est, on le voit d'ailleurs, on le constate. Euh, maintenant, effectivement, euh, peut-être il y a un peu, euh, pour un certain nombre de secteurs, par rapport à d'autres, et, et, je dirais il y a, il y a plus d'avancées, notamment dans le secteur financier, dans le secteur de ce qu'on appelle euh, le secteur de, des opérateurs à importance vitale, oui. peut-être que l'énergie, par exemple, oui. les transports, etc., où là encore, il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites en termes de réglementation, en termes de respect de standards et des normes internationales. Donc... Euh, voilà donc c'est des choses aujourd'hui en tout cas qu'on observe sur le terrain. Très bien. Merci beaucoup. Et justement, on le disait à l'instant, le secteur bancaire est l'un des secteurs les plus visés, les plus touchés avec le secteur financier. Euh, monsieur euh, Yaya Touré, quelles sont les mesures que vous mettez en place au niveau du groupe Banque Centrale Populaire Comment vous gérez cette problématique de cybersécurité Alors, ce qui est important de dire d'entrée de jeu, c'est que il une euh, nous bénéficions ou en tout cas au niveau du groupe Banque central populaire d'un soutien d'un appui très fort du top management qui n'hésite pas à dégager des moyens conséquents pour la réalisation d'investissements qui vont dans le sens de de, de, de définir des stratégies euh, globales en matière de sécurité euh, du système d'information euh, de, de l'acquisition des équipements et des solutions de sécurité des solutions de pointe hein, de tisser des partenariats avec avec des des des, des structures dont les compétences sont avérées comme Data Protect, qui justement est un de nos partenaires stratégiques. Donc les moyens conséquents, en tout cas, sont dégagés pour, pour, pour renforcer notre dispositif. Mais au-delà, de, toujours dans la, dans, la, dans la logique de la gouvernance, il faut noter que ces questions sont débattues hein, à des niveaux très élevés, Donc par exemple dans le cadre des conseils d'administration, avec des comités d'audit, des comités de risque, des de risques. Les risques qui traitent de, de, de la thématique de la cybersécurité. De façon un peu plus opérationnelle, on, on peut on peut dire que notre organisation reprend une logique euh, filière, une logique filière qui part avec des, des ressources qui sont dédiées à la question de la cybersécurité, c'est à la sécurité, qui part depuis la maison mère jusqu'en filiale avec des RSSI qui sont euh, en, 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 qui échangent un cadre permanent d'échanges de, 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 de retour d'expérience, qui nous permet donc d'actualiser euh, notre, notre stratégie ou nos plans d'action, euh, tenant compte vraiment des, 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 des réalités terrain. On peut également euh, relever que on a des poules d'expertise en interne hein, qui, qui, qui viennent en appui de, 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 de nos filiales. Euh, pas plus tard que le, en fin d'année dernière, on a fait face de façon assez efficace à une attaque massive. Sur euh, sur les paiements les paiements en ligne, euh, la détection a été faite de façon assez rapide. Euh, les les primo intervenants intervenants que sont par exemple les, les commerciaux, les le CRC, le centre d'appel a très bien réagi. Le relais a été bien pris avec notre filiale spécialisée monétique PCA et, 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 et la synergie d'action euh, a permis de faire barrage sans perte financière euh, à cette à cette tentative là. Donc c'est mmh. vous dire que nous dans notre cadre groupe, on met en avant. Euh, la, la synergie groupe, on met en avant la mutualisation des moyens, on met en avant euh, tout ce qui est partage et retour d'expérience. Et nous permet donc de, de réagir de façon efficace à, à ce fléau. Mais je voudrais rebondir ainsi sur quelque chose qui a été dit euh, tout à l'heure par mmh. rapport à, à, à ce que font les, 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 les États, ce font les, les structures régionales. Il est bon de préciser que dans la zone U euh, et Moi. Dans la zone UOMO, effectivement, vous avez la, la circulaire euh, 04-2017 de, de la commission euh, bancaire euh, de moi, qui est le régulateur hein, du secteur financier, mm -hmm. qui, qui définit de façon très claire les règles de gestion des risques. Et, et, et à titre d'illustration, vous pourrez noter euh, au, sein, au niveau de cette circulaire que les, les établissements euh, euh, financiers, les établissements des crédits euh, ont... ont pour obligation d'avoir un dispositif de, de 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 protection des systèmes d'information et 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 ce dispositif là doit être tenu euh, doit être actualisé de façon assez régulière et, et doit faire l'objet également d'évaluation mmh. annuelle euh, par un dispositif de contrôle interne mais également par les mêmes les commissaires aux comptes donc le, le régulateur a mis le cadre euh, les États également ont mis le cadre vous avez des lois sur les, la, la, la protection des données à caractère personnel qui, qui ont été votées dans tous les États. Vous avez euh, des lois sur la cybercriminalité également. Vous avez, au-delà de, de, de ces lois-là, vous avez même des structures euh, de l'État qui, qui ont été mises en place pour lutter, pour gérer la répression face à ce, à ce fléau-là. Euh, on peut, par exemple, citer hein, le cas de la PLCC en, en Côte d'Ivoire, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la DIO au Sénégal, qui sont des structures qui travaillent avec les ministères de la sécurité, les ministères de, de, de la défense, bien entendu avec les ministères d'éthique, pour, euh, pour pour faire tout le travail de prévention et d'alerte euh, en cas de d'attaque de, 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 cyber. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Un arsenal juridique existe donc et l'enjeu, bien sûr, comme pour tous les autres pays, sera de, de, de le faire euh, respecter et de, de le faire appliquer. Merci beaucoup, euh, Monsieur Touré, pour, pour vos éclaircissements. Euh, Monsieur Hassan Beloui, je me tourne vers vous. Euh, Au-delà du volet formation, l'UM6P a lancé diverses initiatives technologiques que nous avons suivies avec beaucoup de plaisir dans les médias, le data center, le cloud souverain, le supercalculateur. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la vision globale de ces investissements. Ces investissements sont là pour accompagner le développement du Maroc et de l'Afrique. Ils sont orientés dans cet objectif-là. Donc, et là, pour, pour, je dirais, c'est un peu facile pour faire le lien avec la première question qui est le capital humain sur ces aspects de cybersécurité. Je dirais qu'il est plus facile de se doter en infrastructure que de compétences humaines. Ça prend moins de temps en tout cas. C'est pas plus facile, mais en tout cas, ça prend moins de temps. Le capital humain, c'est c'est un investissement à long terme, mais ça prend du temps et, et des fois les délais sont incompressibles. Mmh. Donc, euh, pour accompagner ce développement, effectivement, l'université a mis en place un, un data center euh, avec un supercalculateur qui est baptisé Toprel, euh, qui nous place au premier rang africain avec euh, presque quatre petaflops d'opérations à la seconde. Avec une équipe euh, HPC (High Performance Computation) euh, qui est dédiée pour, pour ça, donc euh, qui, qui permet effectivement euh, non seulement à, aux différentes équipes de recherche de l'université multidisciplinaire et peuvent avoir toutes les disciplines de raccourcir les temps des simulations numériques, si j'ose dire, c'est des calculs qui nécessitaient des fois une journée, maintenant peuvent nécessiter uniquement quelques secondes, mm. euh, à, à condition d'adapter. Euh, si j'ose dire les, 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 les programmes, je me permets de rentrer un peu de, de, dans le détail, à condition d'adapter les, les codes informatiques pour qu'ils tournent sur une, une, une architecture différente. Euh, Au-delà de l'infrastructure, il y a aussi un écosystème. Alors, il n'y a pas que l'infrastructure, il y a un écosystème de formation. Euh, nous avons les écoles 1337, qui, qui euh, comme vous le savez, sont des écoles très particulières et très demandées, avec plus de 1000 élèves sur deux sites différents, qui sont Hribga et et euh, et, et euh alors l'école 1337 pour préciser pour notre audience internationale vous oui. pouvez nous dire quelques mots pour la c est, c est, c est, les écoles 1337 c'est à l'image des écoles 42 de Paris oui. donc c'est un réseau international où des élèves entre 18 et 30 ans peuvent y aller sans condition préalable sur le diplôme euh, par contre la sélection est assez est assez euh, ardue, si jose dire donc mais ceux qui sont pris c'est ceux qui sont euh, qui ont la, la, la volonté de, de vraiment de et la patience d'apprendre, en fait. Hmm. L'idée, c'est de former euh, des, des, comment dire en anglais, des problem solvers, oui. ou, ou, ou des gens qui, a, qui, a, qui, voilà, qui apprennent à apprendre. C'est ça. Vous leur Demain, posez une question ou le bon état d'esprit. Voilà le bon état d'esprit. Ils ont le bon état d'esprit. Vous leur posez un problème ou un challenge, ils vont chercher à apprendre ce que c'est que ça, et puis proposer une ou plusieurs solutions. Parmi leurs euh, leurs de formation où, où, où ils apprennent entre eux où ils sont jugés par des pairs, euh, il y a un track cybersécurité mm -hmm. dans lequel ils se positionnent et ils se font arracher par euh, <laughs> par les entreprises, <laughs> euh, par les entreprises que ce soit les, 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 les entreprises de conseil en cybersécurité ou les banques, mais ils ont autre chose. Donc ça c'est l'aspect, si j'ose dire, qui permet de répondre un peu à, à, à la question à la première question. L'autre partie, l'université, effectivement, dans sa stratégie de développement, a toujours commencé par la recherche dans un premier temps. Et la cybersécurité n'échappe pas à la règle. Euh, au moment où la cybersécurité a commencé à se développer à l'université, il y a eu un certain nombre de thématiques de recherche mm -hmm. de, de niveau euh, doctorat mm -hmm. qui ont été lancées et qui sont, qui sont en cours en ce moment. Entre trouve des équipes multidisciplinaires, mathématiques, informatiques et, et, et cryptographie aussi. C'est ces trois-là qui s'associent pour encadrer euh, des doctorants en, en cybersécurité. À Ma connaissance, c'est les premiers doctorants au Maroc et peut-être en Afrique qui sont, qui sont formés euh, sur le sol, sur le continent, sur ces aspects de, 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 de cybersécurité liés à la big data. Le mot big data a été prononcé tout à l'heure, mmh. lié à la big data. Donc, peut-être pour les auditeurs, dire en deux mots, peut-être à la fin, ce que c'est que la cybersécurité pour la vulgariser. Mmh. Bah les, imaginez, imaginons-nous dans un réseau autoroutier avec plusieurs nœuds et euh, nous avons des autoroutes en on circule. Sans, sans vraiment sécuriser ces autoroutes-là, on peut se faire agresser à tout moment. Oui. Et bah, là, ces voitures qui circulent sur ces autoroutes, c'est de l'information, et les nœuds, c'est un peu les, les, les endroits où la donnée est stockée. Donc, il va falloir tout protéger il y a la cybersécurité, mais il ne faut pas oublier la cryptographie, mais peut-être ça fera l'objet d'une autre émission. Absolument, absolument, avec plaisir. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Belloui, pour ces éclaircissements. Alors, un dernier round avant de clôturer ce panel, bien que le sujet soit passionnant. Monsieur Ali Azouzi, selon vous, quels sont les enjeux stratégiques pour les entreprises africaines et quelles sont les bonnes ou mauvaises pratiques adoptées pour une stratégie cyber en entreprise je pense que le premier enjeu c'est celui de la ressource. C'est vraiment aujourd'hui, on trouve de la difficulté à trouver la ressource vraiment opérationnelle qui peut intervenir sur des thématiques diverses et variées en matière de cybersécurité. Et quand on la trouve, on la forme, etc. Ben, quelques années plus tard, elle fait le choix. De partir peut-être de l'autre côté de la Méditerranée ou peut-être même ailleurs. Donc, c'est aujourd'hui c'est le véritable challenge, je dirais, en, en ce moment. Maintenant, je pense parmi les pistes, il faut peut-être démystifier cette question de cybersécurité, et nous la rendre un peu moins élitiste, un petit peu. Euh, moi, je me pose la question, pourquoi pas un bac en cybersécurité, tout simplement Pourquoi attendre jusqu'à ce que vraiment on puisse avoir un ingénieur en cybersécurité ou un doctorant en cybersécurité bon, Dans la recherche, ok, mais 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 voilà, nous, euh, au niveau de data Protect, nous avons des gens qui n'ont d'ailleurs, à l'image de ce que vous avez au niveau de 1337, qui n'ont pas de diplôme de bac, mais ce sont des passionnés du de, domaine de la cybersécurité. Et d'ailleurs, on... on pour vraiment recruter, on n'hésite pas d'aller des fois même dans l'underground. On organise des challenges de hack, justement pour essayer d'identifier des bons éléments. Maintenant, tout notre rôle consiste vraiment à les mettre sur le droit chemin, à canaliser leur énergie, à les encadrer, etc. Donc, je pense que c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'approche anglo-saxonne en la matière elle est très bien parce qu'elle parle d'une sorte de, je de, dirais, de, 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 de par rapport aux hackers. D'ailleurs, le terme « ethical hacker », c'est des hackers euh, éthiques euh, qu'on peut aussi euh, embaucher, qu'on peut euh, faire intervenir, euh, je dirais, sur des missions, etc. Bon, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est vraiment, pour moi, et c'est un enjeu de taille. En plus, le monde post-Covid aujourd'hui nous incite à vraiment à y penser de façon sérieuse. C'est la souveraineté numérique. Oui. Donc, la souveraineté numérique, c'est pas juste avoir… Un cloud sur son territoire, avoir une offre cloud d'un opérateur télécom, c'est encore plus, 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 plus important, plus sérieux que ça. Il faudra apporter de la réponse par rapport à toute la chaîne de valeur du numérique. Euh, on parle aujourd'hui de développement d'applications souveraines, on parle même de, 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 je dirais, de messagerie souveraine, de matériel, de logiciel, etc. Mais, euh, c'est pas évident que ça parce qu'aujourd'hui même l'expérience par exemple européenne bon voilà sur un certain nombre d'éléments de la chaîne et trop pas encore la réponse. Je pense que euh, cette question-là ne peut être résolue que à travers vraiment de la coopération inter-État africain. Je pense que si on, on traite cette question de souveraineté ou je, je préfère un autre terme plutôt de résilience euh, numérique vraiment euh, il faut qu'on la fasse vraiment dans une perspective de coopération euh, inter territoires africains. Donc ça c'est aussi un enjeu de taille pour moi. Maintenant en termes de recommandations, si j'aime bien votre exemple par rapport au ski ce qui autoroute, je pense que quand on conçoit une autoroute, on ne se permet pas d'avoir un virage à 90 degrés parce qu'on sait que la personne qui va prendre la route, elle est à 120 km l'heure, je vous laisse imaginer un peu la suite, avec un virage à de 90 degrés. On conçoit l'autoroute en pensant à la sécurité de l'usager. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement security by design. Euh, mais je me pose la question quand j'achète un ordinateur, pourquoi j'ai besoin d'acheter aussi un antivirus avec Pourquoi ça vient pas euh, Je dirais avec l'ordinateur. Alors quand j'achète une voiture, ça vient avec une ceinture au volant, ça vient avec des airbags, etc. C'est toute la gymnastique qu'il va falloir vraiment imposer, que ce soit à l'échelle Macron mais aussi à l'échelle d'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale. Si on pense sécurité en amont très tôt on arrive quand même avec des résultats moins, je dirais, catastrophiques d'un point de vue de cybersécurité. Donc, s'il y a aussi une recommandation à faire, c'est vraiment, il faudra vraiment privilégier cette approche de security by design qui permet vraiment d'éviter beaucoup de problèmes, surtout dans le contexte actuel où il y a, on voit beaucoup de d'investissements en matière de transformation digitale, en matière d'ouverture. Alors, peut-être un dernier point, parce on a, on a beaucoup parlé aujourd'hui de cybercriminalité. Moi, je pense que on peut pas, euh, je dirais, euh, faire euh en tout cas, euh, lutter contre la cybercriminalité en faisant cavalier seul. Mmh. C'est extrêmement important de vraiment de travailler en harmonie avec les législations d'autres pays, etc. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il y a des initiatives qui ont été prises, certes, à l'échelle africaine, à l'échelle régionale, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond à faire, je dirais, en matière de coopération, là encore, entre les États, pour mieux structurer la lutte contre la cybercriminalité. Absolument, plus de collaboration et plus de coopération pour le bénéfice de tous. Merci beaucoup, Alia Zouzi. Euh, Monsieur Yaya Touré, justement, je souhaitais vous interpeller par rapport à cela. À votre avis, quel est l'agenda sur lequel nous devons avancer en matière de lutte contre la cybercriminalité Et quelle collaboration, justement, on en parlait à l'instant, initier à l'échelle régionale pour avancer de manière pragmatique sur ces sujets-là Alors, très bien. Effectivement, les, les, les points qui ont été indiqués par les... les les débattants sur la table sont, sont ceux, les voies à suivre. On peut les résumer en trois points. Mmh. Le premier point, c'est l'axe de la sensibilisation. Euh, c'est capital lorsqu'on sait que sur dix cyberattaques, neuf aboutissent à cause de, de, du facteur humain. Oui. Donc la sensibilisation est, est, un, est une arme efficace sur laquelle il faudra euh, avancer. Mmh. Donc euh, secondo, vous avez la coopération, ils l'ont indiqué. Et, et, et l'avantage que notre zone, la zone UMOA, a, c'est qu'il y a déjà des instruments régionaux qui existent, qui fonctionnent, sur lesquels on peut capitaliser pour, pour renforcer cette coopération. La petite histoire, c'est qu'il y a une série, c'était à, pro, à propos de la coopération. Mm -hmm. Il y a une série d'attaques qui a été perpétrée sur la place, euh, qui a impacté beaucoup de banques, plusieurs banques, qui avaient le même système. Je pense qu'Ali doit connaître la petite histoire. D'accord. Mm -hmm. Qui avaient le même système d'information. Mm -hmm. Et, et, et simplement parce qu'il n'y avait pas un cadre d'échange entre les acteurs du, du secteur, du domaine, les autres n'ont pas été, n'ont pas pu prendre les dispositions. Donc ça, c'est un exemple concret de la nécessité simplement de collaborer, de se partager les informations. Oui, oui. Donc quand il y a ces genres de situation, on a tendance à, à, le, à les garder pour soi, alors que s'il y a euh, ce centre, euh, ce, cette plateforme d'échange là la remontée peut être faite même de façon anonyme de sorte que les les, différents, les autres euh, acteurs concernés puissent prendre les dispositions illimitées euh, l'impact l'impact de euh, l'action de, 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 de malveillante Absolument donc c'est un exemple absolument intéressant parce que finalement elles utilisaient toutes la même solution logicielle, il aurait oui. suffi que l'une d'elles prévienne les autres Autre. pour que les autres puissent se prémunir de, de, de cette attaque. Nous en tant que banque systémique dans la région, on a eu à, à, à contribuer dans le cadre d'une étude qui, est, qui a été une étude financée, euh, commanditée, je dirais, par la Banque centrale de la BCAO et, et la Banque mondiale. Et on pourra justement actualiser le dispositif de, 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 de lutte contre la cybercriminalité dans la région. Et donc, il y a déjà la prise de, 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 de conscience et cette coopération-là, on peut. On peut la renforcer et pas que seulement pour sortir de mon domaine, euh, de mon secteur, le secteur financier. Euh, les, les, les autres domaines d'activité du secteur privé devraient également suivre la, la, la cadence. Mm -hmm. euh, J'ai visité récemment une, une usine. Mm -hmm. euh, le, le propriétaire de l'usine était très fier de me présenter les nouvelles machines qu'il avait, toute la sécurité qu'il avait mis autour. Euh, les, les accès la, le, la sécurité euh suivante et autres mais sans avoir intégré que euh, on pouvait mettre à, à l'arrêt son, son 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 système de production depuis l'extérieur à partir d'accès euh, mmh. internet. Donc ça vous dit que le la prise en compte dès le départ est, est de la, la prise en compte de du volet sécurité dès le départ est capitale. Euh, et, et je terminerai pour pour, pour dire que les choses, les perspectives, effectivement, sont bonnes. Il ne faut pas que voir le verre à moitié vite. Euh, cette question est une opportunité pour l'Afrique. Nous avons beaucoup de jeunesse qui cherchent des, de l'emploi. Il y a des postes à pouvoir. Euh, grâce au, au, aux professeurs et grâce à de la coopération euh, régionale, sous-régionale ou régionale, on peut former davantage de, de jeunes Africains parce qu'il y a de l'emploi qui attend. Absolument. D'où l'intérêt de cette collaboration au niveau régional qui peut tout à fait répondre à, à, à des enjeux certains. Merci beaucoup, monsieur Yaya Touré, pour vos éclaircissements. On termine par vous, monsieur Hassan Beloui. Je souhaiterais savoir de votre point de vue quels sont les enjeux stratégiques et quelle place pour l'Afrique dans l'échiquier mondial de la cybersécurité. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet-là? Je vais je, je partir du chiffre que vous avez donné tout à l'heure, les 25 de la jeunesse, parce que c'est vraiment le vrai gisement de, de richesse euh, de l'Afrique euh, à laquelle il va falloir que tous les décideurs euh, concentrent leur effort, effectivement et euh, doivent. On est dans un monde de la big data c'est jours-ci. Hein. Les décideurs doivent un peu s'appuyer sur la donnée pour prendre des décisions qui impactent beaucoup de monde. Et je, je rebondirai sur ce qu'a dit euh, mon, 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 mon collègue. Euh, sur, il y a, y a énormément de postes à pourvoir dans ce domaine-là. Il euh, y, y a plusieurs moyens, on peut, on peut mettre en place plusieurs moyens, euh, l'approche américaine ou anglo-saxonne en général, qui permet d'aller recruter les hackers par des hackathons et, et de les attirer et faire un peu d'éthique dans, dans le hacking. Euh, ça effectivement, c'est une approche. Euh, mais au-delà de ça, ça résout une partie du problème. Euh, une vue hélicoptère de la problématique, si j'ose dire, à mon humble avis, c'est, ça serait effectivement qu'il y ait des coopérations. C'est nécessaire mm -hmm. qu'il y ait des coopérations parce que il euh, y a un adage marocain qui dit une seule main n'applaudit pas. Donc, mm -hmm. il va falloir s'associer avec d'autres pour avancer, mutualiser les, les, les moyens, euh, utiliser les ressources qui sont là, euh, faire des formations courtes pour produire rapidement, si j'ose dire, de la compétence. La recherche c'est bien, mais il faut la garder et la poursuivre. Et pourquoi pas un bac, un bac cybersécurité ou quelque chose d'assez rapide. Pour, parce que le besoin il est là, il est criant. Mmh. Euh, mais euh, c'est un peu une boîte noire pour nous consommateurs de, de, du digital, où on voit pas les attaques. C'est des experts, des gens qui surveillent le, le marché du trafic, qui, qui, qui relèvent ces points-là et qui essaient d'y apporter. Donc il y a vraiment, euh, mais en même temps, dans cette collaboration qu'il faut, qu'il faut avoir, que ce soit avec les pays africains ou avec les pays du Nord qui nous dépassent un peu sur ces aspects-là, il faut pas se voiler la face. Cette collaboration aura une limite parce qu'à un moment donné, ceux qui nous précèdent, qui nous, qui ont un peu d'avance sur nous, sur ces aspects-là, ne vont pas tout divulguer. Il va falloir qu'on invente les choses nous-mêmes. Et réinvente les choses nous-mêmes parce que, euh, quand vous faites l'état de l'art de la question, et vous regardez, il y a un certain nombre de publications, il y a un certain nombre d'informations publiques, mais derrière, il y a des, des choses concrètes, des algorithmes, des choses concrètes qui, eux, ne sont pas à public. Mmh. Donc il va falloir que nos ressources travaillent sur ça, pour développer ça, pour que ça soit... Et ça, c'est un outil de souveraineté nationale. Au-delà de, de l'infrastructure physique qui est présente sur un territoire, euh, la compétence qui opère est aussi importante qu'elle soit sur le territoire. Mmh. Et, et, et d'où une question de souveraineté nationale. Et, et nous, à l'université, nous sommes euh, très orientés... Euh, pour répondre aux besoins de, 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 de nos partenaires industriels. J'avais dit c'est au début de, de, de la première question, et je vais terminer avec ça. Effectivement, nous sommes très orientés à employabilité, l'employabilité, mm -hmm. peu importe les, les, les disciplines dans lesquelles nos futurs alumni euh, intègrent l'université, et nous sommes au, au, à l'écoute active, constante, avec nos partenaires industriels, que ce soit des organismes étatiques ou, ou, ou des entreprises privées, ou nos pays partenaires avec lesquels nous sommes partenaires, il y a un certain nombre de pays africains anglophones et francophones euh, avec lesquels nous travaillons. Nous sommes à l'écoute de ça et nous nous euh, nous sommes en effort constant pour répondre à ces attentes et à ces besoins pour atteindre notre ambition pour faire briller la recherche marocaine et la formation marocaine. L'UM6P qui a établi un véritable écosystème au niveau de, de la région et qui est aussi ouvert au partenariat. Monsieur Hassan Beloui, merci infiniment. Merci à vous. Pour euh, vos, euh, votre rapport, je vous remercie, messieurs, euh, pour euh, votre participation à cette émission aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Sur l'importance des partenariats et des écosystèmes, nous allons nous intéresser maintenant à une initiative lancée par le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Le campus cyber avait son ouverture en 2022. Il s'agit du lieu totem de la cybersécurité en France et rassemble les principales parties prenantes du secteur. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Yann Bonnet. Monsieur Yann Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre en visioconférence de Paris. Vous êtes directeur général délégué du campus Cyber. Vous étiez auparavant directeur de cabinet à l'ANSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Vous êtes également enseignant à Sciences Po et membre du groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle de l'Union européenne européenne. Nous avons suivi le lancement du Campus Cyber en France avec beaucoup d'intérêt. Quelle est l'ambition de cette initiative, Monsieur Bonnet, et quelle a été la genèse de ce projet et la vision derrière L'ambition, c'est de, de fédérer euh, l'écosystème euh, qui est euh, trop fragmenté au niveau euh, français et européen euh, pour mieux faire face à la menace et, euh, et faire rayonner euh, l'excellence euh, au, au niveau euh, français, au, au niveau européen. International. On a une menace qui est grandissante, vous le savez. On a le risque cyber et fait partie des top 10 du World Economic Forum. 6 000 milliards de coûts qui est évalué. C'est au côtés de, au niveau France, on remarque une multiplication par quatre des attaques de type ransomware. Donc voilà, tout le monde est concerné. Voilà, la société se transforme pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et on a besoin de, de mieux travailler ensemble au niveau de l'écosystème pour mieux faire face à la menace. Derrière le campus, c'est un lieu, c'est un lieu totem, 26 000 mètres carrés, 13 étages. On, on va retrouver plus de 1500 experts de, de la cyber d'une euh, variété euh, très importante. Hein. On y retrouvera euh, euh, des grands groupes euh, comme Renault, L'Oréal, VMH, euh, mais aussi des petites start startups, euh, des acteurs publics, des acteurs de la recherche, des écoles. Voilà, C'est plus de 1500 personnes qui vont travailler ensemble. Et le lieu, il a été conçu euh, pour adresser euh, et travailler ensemble et pour être plus fort ensemble sur trois grands axes. Le premier, sur les talents. On manque, on a une pénurie de talents en France, c'est plus de 15 000 emplois qui sont non pourvus. Donc on a besoin de créer des vocations. Ensuite, on a le sujet de l'innovation. On a besoin d'innover pour être plus performant, pour mieux utiliser certaines technologies et pour mieux faire face à la menace. Et c'est aussi les opérations. Ça va être un lieu où on va retrouver des cyberpompiers. Qui sont prêts à interagir, à intervenir, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, Monsieur Bonnet. Justement, là, on parle d'un écosystème avec un regroupement d'acteurs publics, privés. Vous avez cité aussi des laboratoires de recherche, des start-up. Quelle est l'importance d'un écosystème pour faire émerger justement cette intelligence collective ou pour faire pousser l'agenda cybersécurité ben c'est essentiel en fait. Nous, on, on s'est inspiré de la nature, euh, tout simplement. On, on est assez convaincu que, euh, voilà, une nature, un, un écosystème dans la nature qui, euh, qui, euh, qui fonctionne bien, qui est fertile, c'est un, un écosystème qui est équilibré. Euh, et euh, dans lequel il n'y a pas un acteur qui est dominant et qui euh, pollue. En fait, le campus cyber, c'est un peu ça. C'est euh, un écosystème. On a fait attention dans, le, dans la gouvernance. Il euh, y, a, y a plus de 160 entreprises, des, des grandes entreprises, des petites. Euh, on a différents collèges et on a dissocié la part en capital du pouvoir de décision pour vraiment nous obliger à penser intérêt écosystème avant intérêt des gros acteurs ou euh, uniquement des acteurs de public. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, l'idée, c'est de, de travailler ensemble, de favoriser les synergies entre les différents mondes euh, qui parfois, euh, voilà, ont, ont besoin d'avoir un lieu physique euh, pour mieux mieux travailler, pour euh, pour adresser les défis de, de, de notre époque, euh, notamment sur sur la confiance numérique. Vous avez parlé de cette collaboration qui est très importante. Euh, quelles sont les pistes de collaboration possibles entre le campus Cyber France et les autres écosystèmes, que ce soit ici au Maroc ou plus globalement sur le continent africain Elles sont nombreuses. Euh, voilà, on, on, je, je crois qu'on est tous euh, face à, à des attaquants, parfois euh, à des euh, mafias qui euh, voilà, qui, qui se font énormément d'argent sur euh, nos entreprises euh, en rançonnant euh, certains systèmes. Ou euh, parfois on peut même avoir euh, voilà des, euh, des, des, des des hôpitaux qui sont euh, aussi euh, rançonnés qui qui, qui pourraient euh, entraîner des situations complètement dramatiques vis-à-vis euh, -vis de certaines vies humaines. Euh, donc on a besoin en fait de créer plus de liens, de mieux travailler ensemble euh, entre acteurs, entre l'Europe, euh, acteurs euh, au niveau de, de l'Afrique aussi euh, pour euh, pour être plus fort ensemble. Et donc ça, c'est un peu la logique du campus. On a développé en fait ce concept des des communs de la cyber, un peu comme ce qu'on appelait les, les Creative Commons. Donc c'est des, des ressources mutualisées sur sur lesquelles on est en train de travailler avec l'écosystème au niveau français, au niveau européen, et puis on aimerait travailler au niveau international, y compris avec les acteurs au, au niveau de, de l'Afrique. Donc ça peut être des sujets sur, par exemple, une base de renseignements. Euh, euh, cyber, voilà, c'est comme euh, sur une scène de crime, euh, on a des traces ADN euh, des cyberattaques. Euh, et voilà, on a tout intérêt à partager euh, certaines de ces traces pour euh, faire barrage, pour mieux détecter certains groupes mafieux qui euh, qui nous embêtent tous hein, un peu autour du, du monde. Euh, on a d'autres sujets sur euh, sur les talents. Euh, voilà, on a tous besoin en fait de créer. Euh, des vocations. Euh, on, on, est, euh, on a vraiment besoin, je pense, partout autour du monde, d'experts de, euh, au, au niveau de la, la cybersécurité. Et on a besoin en fait de casser les codes. Euh, en France, on voit trop euh, l'expert le, cyber comme un, un homme derrière son écran, avec une cagoule, avec des, des chiffres, à la matrice qui, qui, qui défilent. Il faut qu'on déconstruise tout ça, euh, qu'on attire euh, des talents, des talents féminins. En France, on a seulement 11% de talents féminins dans la cyber. Alors que les formations sont pas remplies et qu'on est en pénurie de talent. Donc on doit créer des vocations, casser des codes. Euh, et ça c'est aussi des sujets, euh, je, je pense, qui, qui sont valables un peu partout autour du monde et sur lequel on, on, on aurait tout intérêt à, à partager des expériences, euh, des, des formations, des, des, des modes de, de, euh, de des serious games euh, pour attirer euh, des talents. Donc en fait le champ euh, de travail. Euh, il, est, il est très large et euh, effectivement très intéressé pour, euh, pour travailler avec les différents talents hein, autour du monde sur ces sujets d'innovation, de, euh, de formation et puis aussi d'opération euh, pour mieux intervenir plus rapidement euh, face à, à ceux qui nous attaquent. Et au sein de Casablanca Finance City, nous sommes convaincus de l'importance de la coopération internationale. Monsieur Yann Bonnet, je vous remercie infiniment pour votre intervention et à bientôt. Merci, à bientôt. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième panel qui va porter sur les réponses possibles et les perspectives en termes de cybersécurité. Le temps que mes invités s'installent, à tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Madame Selima Amira, directrice générale Microsoft Maroc. Bienvenue à vous. Merci Manuel, tout plaisir <laughs> est pour moi. J'ai le plaisir d'accueillir également monsieur Emmanuel Cherrier, directeur pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest de Orange Cyberdéfense. Bienvenue à vous également. Merci. Bonsoir. Et notre troisième panéliste aujourd'hui, monsieur Yassir Kazar, fondateur et président directeur général de la start-up Yogosha. Bienvenue. Merci. Madame Salima Amira, je commence par vous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes donc directrice générale de Microsoft Maroc depuis 2021. Auparavant, vous étiez territory manager chez IBM avec un parcours dans les services d'intégration et les télécommunications, notamment chez Inouï. Ma première question, quelle est votre perspective des défis auxquels fait face le continent et qui façonne la vision cybersécurité de Microsoft? Merci beaucoup euh, Manel. Donc euh, effectivement, les piliers ont déjà été euh, assez bien expliqués à juste titre par le, le premier panel, qui s'articule principalement autour de trois ou quatre axes et qui euh, définissent une démarche assez simple de, de Microsoft, euh, se basant principalement sur le cloud et sur une approche euh, zéro trust, donc confiance zéro de bout en bout. Ces trois ou quatre euh, défis majeurs sont principalement le nouveau normal donc le travail en mode hybride qui était déjà à l'usage dans plusieurs régions dans le monde mais qui est venu s'imposer en post-pandémie vraiment en mode big bang en afrique qui a pris tout le monde de court quelque part Absolument. couplé donc à la sophistication des réseaux d'entreprise, à la fusion aussi avec les réseaux domestiques mmh. font que la multiplication ou les points d'entrée se sont multipliés oui. et que la protection de l'identité est devenue le principal enjeu ou l'enjeu majeur en, en Afrique. Si on rajoute à ça euh, la disparité ou l'inégalité d'accès aux technologies et aux équipements, mm -hmm. L'enjeu devient ou le défi devient encore plus important et on y répond en général avec des partenariats, avec des start startups innovantes. On en a une aujourd'hui qui vont donner ou fournir des solutions biométriques typiquement pour répondre à certaines disparités technologiques qu'on peut retrouver dans la région. Deuxième, et je vais essayer d'aller très très vite, c'est l'accélération et l'évolution, l'accélération de l'évolution des marchés où pour une entreprise, il n'est plus question de répondre à ⁇ Dois-je digitaliser mes services ?⁇ mais ⁇ Comment je le fais ?⁇ très rapidement, de manière très intensive sur le, le volet technologique et avec un maximum d'agilité. Et là, la réponse est clairement d'utiliser des standards les plus ouverts possibles, tels que, tels que le cloud. Ce qui me ramène au troisième euh, troisième défi qui est l'ouverture ce besoin de s'ouvrir à son écosystème qui est aussi un challenge très important pour toutes les entreprises de toute industrie je vais citer par exemple le secteur industrie parce que euh, le secteur financier pardon oui. parce que un c'est un secteur qui est très réglementé mm -hmm. qui est aussi le plus avancé sur le niveau euh, au niveau digital en afrique mais qui reste la cible de 25% des attaques de cybersécurité en Afrique. Donc, c'est la cible numéro un comparée aux autres industries. Ils ont besoin aussi de répondre à un besoin du marché. Donc, ils ouvrent leur écosystème de plus en plus à une consommation directe de leurs interfaces euh, par des fintechs, par les insurtechs, par la marketplace de TPE mm -hmm. qui évolue dans leur écosystème et qui les expose sur les deux champs, sécurité et conformité. Et là aussi, donc, tout le... Tout le travail à faire ou toute la démarche Microsoft s'articule autour du, du cloud. Donc, la démocratisation du cloud, la euh, facilité d'accès au cloud et qui nous permet de fournir cette euh, démarche de bout en bout sur les, les quatre aspects identité, sécurité, management et, euh, et conformité. Ce qui me ramène au dernier point. Mm -hmm. euh, la réglementation, oui. euh, il y a une grande disparité euh, au niveau de l'Afrique et ce besoin de se conformer devient encore plus com plus compliqué pour une entreprise qui doit avoir une vision régionale. Mm -hmm. c'est une tendance mondiale mais pour une entreprise quelle que soit sa taille en afrique que ce soit une grande entreprise une start up ou euh, une, euh, une entreprise de taille moyenne elle ne peut évoluer ou croître que si elle a une vision régionale et oui. donc doit s'assurer d'être conforme par design à une panoplie de réglementations qui diffèrent d'un point de vue maturité, voire qui changent, qui sont très changeantes au fil du temps. Et là, la réponse, c'est vraiment un travail de fourmi qui est fait, bien sûr, basé sur des standards tels que le cloud, mais un travail qui est fourni par toute l'équipe juridique pour s'assurer en amont, en mode proactif, que nos clients consomment des solutions conformes et qu'elles continuent de l'être avec, un suivi des nouveaux décrets qui sont publiés. Très bien, merci beaucoup. On le rappelle effectivement très souvent, l'Afrique c'est 54 pays, 54 façon de procéder différente, 54 réglementations différentes, donc d'où euh, l'importance de cet enjeu. Salima Amira, merci beaucoup pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, Monsieur Emmanuel Cherrier. Euh, vous êtes directeur pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest de Orange Cyberdéfense. Vous travaillez depuis 18 ans dans le secteur IT et cybersécurité. Vous êtes installé au Maroc depuis 2019 pour assurer le lancement et le développement de l'activité Orange Cyberdéfense sur le continent africain. Orange cyber défense compte plus de 2500 experts répartis dans le monde et un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros. Euh, Emmanuel, comment aidez-vous vos clients à naviguer le risque cyber tout au long du cycle de vie de la menace qui a été évoquée euh, de différentes manières déjà effectivement il faut prendre en considération que le, le, la cybersécurité est un sujet de plus en plus complexe et donc il y a un besoin d'accompagnement fort des entreprises et que la sécurité n'est pas une destination mais un voyage. Donc euh, c'est pour ça qu'il est important effectivement comme vous le disiez d'accompagner le client euh, sur l'ensemble du cycle euh, de, de la menace ou, euh, ou, ou des cyberattaques ou en tout cas de la protection des, des informations et des données. Donc euh, nous on intervient en fait sur euh, différents axes à la fois des axes euh, d'anticipation des menaces, c'est-à-dire que nous avons des équipes de euh, veille euh, qui vont essayer en fait d'identifier les menaces avant qu'elles atteignent les entreprises. Hein, donc c'est les menaces qui viennent du web en général. Ou des zones un peu plus obscures qu'on appelle le dark web, le deep web. Euh, ensuite, on va travailler sur l'identification parce que c'est important pour un client de se connaître, c'est-à-dire de connaître à la fois euh, ses risques, euh, ses menaces et ses vulnérabilités. Donc là, on va travailler avec nos équipes euh, soit sur des diagnostics cybersécurité, soit sur ce qu'on appelle du hacking. Mais, alors, je, je rassure tout le monde, c'est du ethical hacking. Hein, donc, ce sont des hackers qui vont être là pour tester les systèmes de nos clients et identifier les vulnérabilités en vue de leur proposer des plans d'action. Donc euh, tout à l'heure, je pense qu'Yassir pourra en parler également parce que ça, on, fait, on travaille sur les mêmes sujets et on travaille même potentiellement ensemble également sur ces sujets-là. Euh, donc là, l'idée effectivement, c'est d'identifier la menace, d'identifier les risques et les vulnérabilités. Et puis ensuite, bien entendu, on a des équipes qui vont être là pour aider les clients à, à planifier, à mettre tout ça en musique parce que je disais que c'est un sujet complexe. On peut pas tout prendre d'un coup il faut vraiment y aller étape par étape et donc les consultants vont être là pour essayer d'orienter de mettre en place des feuilles de route et comme on veut aussi nous intervenir sur l'ensemble du cycle eh bien on va aider les clients à choisir les bonnes solutions à les mettre en œuvre. Et puis ensuite, potentiellement, à les exploiter euh, et voire même après à faire de ce qu'on appelle de la détection d'incidents, parce que euh, on doit mettre en place des systèmes de protection, mais il faut ensuite faire de la détection. Euh, C'est comme si on mettait une caméra dans une maison. Bah, C'est bien d'avoir une caméra, mais il faut avoir des gens derrière euh, qui regardent <laughs> ce qui s'y passe euh, et qui, qui peuvent alerter euh, en cas, euh, en cas effectivement d'intrusion ou d'attaque. Et puis, bah, on a aussi des équipes. Euh, de réponse aux incidents. Bon, ça on espère ne pas les solliciter. Donc, c'est nos équipes entre guillemets de pompiers qui vont être là pour intervenir lorsque un client se fera vraiment attaquer et aura besoin d'un support pour arrêter, diagnostiquer, euh, comprendre ce qui s'est passé et remédier. Euh, à l'attaque. Donc euh, voilà, c'était c'est pour ça que je parlais de voyage parce qu'on est vraiment sur un cycle complet euh, et, et il y a une remise en question qui doit être faite également par nos clients euh, parce que la sécurité évolue euh, tous les jours, les attaquants évoluent très vite et donc il y a une remise en question qui doit être euh, permanente. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous pour en parler un, un petit peu plus. Alors ce, ce terme de hacker éthique a été souvent prononcé aujourd'hui Sir vous êtes passionné de technologie et entrepreneur dans l'âme vous avez participé à une première création d'entreprise en 2005 en parallèle de vos études vous avez travaillé dans le monde du conseil pendant une dizaine d'années pour ensuite créer votre start-up Yogosha dont on parlait à l'instant Yogosha est donc une plateforme qui permet aux entreprises de collaborer avec une communauté mondiale de hackers éthiques pour leur trouver des Failles de sécurité. Vous venez de réaliser une levée de fonds de 10 millions d'euros, félicitations, Merci. et vous accompagnez de grandes entreprises et institutions internationales. Yacir Kassar, d'où vous est venue cette idée initialement et quelle est votre vision à terme pour ce projet Alors, euh, la vision, elle, elle, elle a. Alors, si je commence par le, le, le début, le début de l'histoire, il a démarré avec une, une petite boutade qui me travaillait beaucoup, qui était assez amusante dans le milieu de la cyber, qui dit qu'il y a deux types d'entreprises, celles qui se sont fait pirater et celles qui ne le savent pas encore. <laughs> en fait, derrière cette boutade, il y a souvent des failles de sécurité. Ça démarre avec des failles de sécurité. Et je me disais, mais qu'est-ce qui fait que ce problème persiste encore Parce que la cybersécurité, pour ceux qui baignent dans ce marché, ça a toujours été the next big thing pendant les 20 dernières années. Mais ça n'a jamais vraiment bougé. C'est les mêmes problématiques reviennent de manière régulière. Il faut sensibiliser, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on a essayé de voir, bon, c'est quoi le problème de le dessiner proprement? Et en fait, j'ai fini par trouver une sorte d'équation, entre guillemets, à laquelle font face toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur segment, leur secteur d'activité, etc., quand il s'agit des, des, des failles de sécurité. C'est la suivante. C'est Comment trouver des compétences avérées On parlait tout à l'heure hein, du, du manque à gagner en termes de profil pour détecter des failles de sécurité critiques, tout en passant par des solutions intégrées, en respectant la réglementation euh, du pays et en ayant des business models qui soient les plus héroïstes possibles. Mmh. À peu près, on peut prendre toutes les entreprises, elles ont cet impératif-là. Et donc, on s'est dit, en fait, la plateforme, typiquement telle que, que, que Yogosha, elle répond. Euh, à cette équation-là. Parce qu'on a dit d'un côté, en fait, on va décentraliser l'accès aux ressources. Là, on a les recruter, en fait, on a plus de 1000 indépendants à travers le monde qu'on a presque certifiés pour s'assurer que c'est des gens qui sont compétents. Euh, on a une interface qui permet de fluidifier la collaboration avec ces gens-là. Donc, on peut lancer des programmes qu'on veut. Et le business model était assez transparent et assez simple, puisqu'on s'est dit, ben, en fin de compte, les entreprises vont payer les hackers pour la faille détectée. Et ce qui fait que... In fine, ça nous semblait être une réponse assez intelligente. Il y avait déjà aussi d'autres startups qui allaient vers ce, cette typologie de modèle. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est lancé dans le vide et puis la suite de l'histoire s'est écrite d'elle-même. <laughs> Merci beaucoup. Une histoire passionnante en tout cas à suivre. On reviendra vers, vers vous également pour en savoir un petit peu plus. Je me tourne vers vous Salima Amira. Selon vous, quelles sont les priorités euh, du moment et, et qu'est-ce qui est à venir en matière de cybersécurité, que ce soit pour le continent ou plus globalement dans le monde Beaucoup de choses, Emmanuel le disait tout à l'heure, ça, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours, des, des nouvelles menaces apparaissent tous les jours et donc il faut être en constante adaptation. Donc c'est plus un engagement fort sur l'investissement, investir dans le RD, investir dans des partenariats stratégiques qui viendront compléter la marketplace et la proposition de valeur globale, et investissement aussi dans des partenariats locaux, avec des start-up locales, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour compléter notamment une problématique simple de biométrie sur un, un besoin où il y a un vide technologique ou un vide d'équipement, etc. Donc cet investissement-là, euh, c'est un commitment public, c'est un engagement public d'environ 20 milliards de dollars sur 5 ans, de, de Microsoft et pour ne citer que deux ou trois principaux investissements, il y a celui sur l'intelligence artificielle principalement. Encore une fois, Emmanuel a parlé de la nécessité de suivre euh, la cadence mm -hmm. et quand on pense à la quantité de données générées, qu'elles soient stockées ou pas, à l'explosion de ces données-là, à la multitude d'interfaces sur laquelle elles sont stockées, il est quasi impossible pour un humain de suivre mm -hmm. ces, ces modèles-là. Donc l'intelligence le, le, artificielle a déjà prouvé sa valeur dans des modèles de croissance économique pour promouvoir l'innovation, détecter des leviers de croissance, etc. Et elle fait de la même chose sur la cybersécurité pour anticiper euh, des, des nouveaux patterns, des nouveaux euh, comportements suspicieux ou euh, actualiser toute la chaîne euh, la chaîne de risque. Deuxième principal investissement euh, depuis, euh, depuis deux ans, des investissements sur le... La, la complétude euh, de, de la couverture euh, de, de la sécurité microsoft, notamment euh, en intégrant toute la sécurité de la technologie euh, omniprésente, ubiquitous technology. La, la data ne circule plus uniquement sur des PC ou des mobiles, donc les équipements classiques, elle va aller sur des wearables, elle va aller sur nos voitures, sur des lunettes connectées, donc euh, dans tous les IoT qu'on peut avoir dans notre environnement domestique et industriel. Il était très important qu'on qu investisse aussi pour compléter la, le, le portefeuille sécurité et couvrir ces aspects-là. Merci beaucoup. Euh, Emmanuel Cherrier, je me tourne vers vous maintenant. Vous venez de publier récemment un rapport sur l'état de la menace cyber euh, au niveau mondial. Que quels en sont les principaux enseignements et quelles sont les tendances à venir de votre point de vue alors ce rapport effectivement reprend beaucoup d'informations euh, de, de l'analyse que l'on a qu'on a réalisé de, de la détection d'incidents auprès de nos clients dans nos centres mondiaux on a à peu près 18 centres au niveau mondial qui permettent de collecter enfin de collecter de la donnée c'est surtout de gérer les incidents de sécurité de nos clients et donc on en a fait une analyse effectivement donc je vais essayer d'en dire deux trois mots parce que c'est un rapport qui, qui est assez conséquent, qui est, qui est libre. Hein, vous pouvez le, le télécharger sans aucun problème. Euh, globalement, ce qui ressort euh, synthétiquement, on, on, on s'est rendu compte qu'il y a euh, une complexité de plus en plus forte euh, en matière d'attaques cyber. Euh, les attaques sont maintenant multifacettes, euh, c'est-à-dire que un attaquant va vous attaquer en fait par plusieurs biais, euh, alors qu'à Précédemment, on était plutôt sur une typologie d'attaque vers un client. Là, maintenant, un client va pouvoir, va être un peu bombardé, entre guillemets, excusez-moi du terme, par plusieurs typologies d'attaques en même temps, euh, ce qui, ce qui peut poser un problème de gestion. Et puis, il y a en même temps une, couplé à ça. Donc, ça, c'est la qualité, on va dire, des attaques, mais il y a aussi le volume. Et donc, on voit une multiplicité des événements. De plus en plus d'événements de sécurité, de plus en plus d'attaques de sécurité. Donc, ça, c'est le premier grand constat. Deuxième constat, c'est les vulnérabilités. Donc, euh, on a estimé à peu près 18 Alors, je pense qu'il y a peut-être plusieurs chiffres qui peuvent se, se, se contredire, mais globalement, on, on estime sur les grands éditeurs et ainsi de suite à peu près 18 000 vulnérabilités par an, ce qui fait à peu près deux par heure. Donc pour une entreprise qui doit gérer effectivement autant de vulnérabilités, c'est c'est un sujet très complexe pour pour une société, pour un dirigeant, pour que ce soit pour une petite entreprise ou pour une grande, parce que tout le monde est touché par les vulnérabilités. Hein. À partir du moment où vous utilisez un système A, si ce système A est présent dans différentes entreprises, ben vous serez touché, que vous soyez une PME ou une multinationale. Donc ça c'est le, le deuxième point qu'on a, qu a vu, cette complexité de gestion des, des vulnérabilités. Le troisième point c'est la professionnalisation de la filière de hackers qu'on on, on s'est permis de l'appeler hack to cash parce que c'est des gens qui sont là vraiment pour faire faire de l'argent et donc ils se sont organisés, ils se sont spécialisés. On parle de ransomware as a service, de marketplace. Donc vous avez des spécialisations, celui qui va faire l'intrusion dans, dans le système d'information d'entreprise, celui qui va exfiltrer la donnée, celui qui va négocier. Et puis en plus, ils ajoutent maintenant une pression encore plus forte sur les entreprises pour inciter l'entreprise à payer. Et donc ça aussi, on l'a vu avec une mise aux enchères des, des données des clients, avec des, des actions sur les cours de bourse potentiellement et ce genre de choses. Donc donc c'est ces aspects-là qu'on a pu euh, qu'on qu on a pu voir et ensuite si on veut parler un peu de, de tendance et d'évolution par rapport aux années précédentes sur les typologies d'attaque, euh, les typologies d'attaque qui étaient en numéro un, c'était ce qu'on appelait les anomalies réseau, donc des choses assez classiques d'infrastructure et ainsi de suite, alors que on là on a vu que le tout ce qui est malware, donc c'est les logiciels malveillants qui vont rentrer dans votre système et puis se se propager au fur et à mesure a pris une place prépondérante sur l'année sur l'année passée donc avec une progression assez fulgurante peut-être que le confinement le Covid aussi a accéléré cette cette tendance forte donc ça c'est sur les typologies d'attaque maintenant sur les environnements les environnements on pourrait en dire beaucoup mais moi je voulais retenir quand même une chose c'est tout ce qui va toucher à l'IoT euh, au système connecté au système euh, industriel également euh, parce que en fait on va être euh, de plus en plus connecté il y a des milliards d'objets connectés aujourd'hui donc ça c'est une tendance très forte euh, qui va arriver dans les années à venir encore qui va se développer et donc un point d'entrée supplémentaire euh, pour les attaquants euh, et puis aussi euh, on parle beaucoup de banquiers hein, parce que le, la finance est sont les mieux protégés mais sont aussi les plus attaqués aujourd'hui. Par contre, il y a une autre euh, un autre secteur qui est la, le, tout ce qui est industrie manufacturière qui est de plus en plus attaqué, mmh. qui était avant un peu protégé. On parlait de ce qu'on appelle le air gap, c'est-à-dire que ben, on disait ben, mon usine elle est à part, elle est pas connectée et ainsi de suite. Bon, ça c'est fini, c'est un mythe. Mmh. Euh, maintenant, les usines sont connectées, il y a du cloud, il y a du, machi il y a du euh, machine to machine, il y a des, des objets connectés dont, dont je parlais et donc on voit qu'il y a une tendance aussi forte euh, de vulnérabilité qui arrive euh, sur ces machines-là, d'attaque, euh, parce que les systèmes sont anciens, mais en même temps commencent à s'ouvrir. Mm -hmm. euh, donc ça complexifie, et, euh, et, et les entreprises de CIPA ne sont pas encore toujours au même niveau de maturité qu'une entreprise, par exemple, du secteur euh, financier. Oui. Donc ça, c'est une tendance que je voulais euh, vous faire remarquer. Il euh, y, y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une tendance qui me semble assez intéressante pour les... Les dirigeants qui nous écoutent, notamment de ce secteur-là, euh, ne pas croire qu'ils sont protégés parce qu'ils ont une chaîne de production qui est plus ou moins coupée du reste du monde, c'est en, en général un mythe. Et en plus, les, les impacts peuvent être très forts parce que ce ne sont pas uniquement des, des, il y a des impacts financiers d'arrêt de production, mais il peut y avoir aussi des impacts. Euh, euh, des impacts physiques euh, quand on, on met euh, à mal une, une, une chaîne de production donc euh, donc ça c'est voilà c'est c'est un peu les tendances que je voulais euh, vous mettre en avant et, et vous partager merci merci beaucoup euh, justement on parlait de de, de ces tendances et, et puis des, des dirigeants qui nous écoutent Yacir Kazar de votre propre expérience quels sont les axes qui vont guider les dirigeants dans leurs décisions dans les années à venir en termes de cybersécurité Bien, merci pour la question je pense que quand on réécoute quand on analyse tout ce qui a été dit dans les différents plateaux hein, on se rend compte de l'ampleur en fait des sujets euh, qu'on va avoir et j'ai l'intime conviction euh, que la technologie en soi euh, n'est pas une finalité c'est toujours un outil qui est au service euh, d'une stratégie qui va, qui va s'installer. donc quand on analyse toutes ces difficultés là il me semble qu'il y a des, des, des garde fous qui se dessinent sur les années qui viennent qui permettent de dessiner un périmètre pour se dire, est-ce que la solution qu'on me propose est pertinente ou pas, qui sont presque en filigrane et qui ne sont pas très techniques, en fin de compte. Je m'explique. Mmh. La première des choses, ce qui semble évidente, c'est que les solutions qui doivent être mises en place doivent être continues. C'est-à-dire toutes les solutions one-shot, ponctuelles, qui font une photo à l'instant T, petit à petit seront démodées. Et se rend à côté de la plaque parce qu'on a compris que l'attaque est dynamique, complexe, multiple. Voilà, je ne vais pas répéter tous les arguments. Donc, il faut s'assurer qu'on est sur des approches qui vont chercher à tester ou à prouver quelque chose dans la continuité, sans se couper. La deuxième composante qui me semble essentielle, c'est la partie collaboration. La cybersécurité sera collaborative ou ne sera pas. Des technologies qui sont isolées, qui n'ont pas des intégrations avec d'autres logiciels, sur laquelle on ne peut pas travailler avec plusieurs personnes euh, avec différents regards, seront forcément des solutions qui vont biaiser la décision et qui peuvent amener à, à des décisions qui peuvent être à côté de la plaque, si je peux me permettre. La troisième ou le troisième axe qui me semble important, euh, c'est le côté offensif, euh, c'est-à-dire il faut aller de plus en plus vers des solutions qui vont montrer la réalité crue à l'entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants aujourd'hui sont à la recherche de ça. Une des questions que, que posent les dirigeants de manière très naturelle, c'est « si quelqu'un arrive chez moi, qu'est-ce qu'il est capable de faire ?» C'est une de leurs préoccupations parce que leur expliquer la théorie est importante. Mais aujourd'hui, on n'y est plus dedans. C'est-à-dire qu'on a compris les attaquants ont toujours une longueur d'avance. Et ce que tout le monde veut voir, c'est montre-moi la vraie vie. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est un élément important. Le dernier axe qui me semble essentiel, c'est que la sécurité ou la cybersécurité doit être responsable. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing de la peur, il faut sortir de ce marketing-là. Le marketing ou la politique de l'autruche, j'ai des failles, je les mets de côté, ne marche plus. Il y a des réglementations qui vont chercher la responsabilité de l'entreprise. Et je pense que justement, l'équipe dirigeante doit elle-même porter en fait ce message-là et l'installer. Ça, c'est les grands axes euh, qui me semblent être des garde-fous essentiels. À côté de ça, il y a peut-être deux éléments qui me semblent aujourd'hui inévitables. Le premier, c'est le côté héroïste. Il faut quand même démontrer euh, qu'il y a un retour sur investissement mesurable. Et il y a le côté data-driven. Il faut que les solutions qui se mettent en place puissent donner aux dirigeants la capacité d'analyser, en fait, de l'analytique avec les données qui sont collectées, faire de la comparaison, analyser avec différents axes. Voilà les éléments qui me semblent être les plus les plus transverses ou qui sont agnostiques quelque part d'une technologie ou d'une autre et qui doivent être toujours présents dans l'esprit, je pense, des dirigeants pour, je dirais pas, faire des décisions parfaites, mais peut-être aussi challenger dans le bon sens toutes les entreprises avec qui elles, elles travaillent. Merci beaucoup Yassir Kazar pour vos éclaircissements. Je me tourne vers vous, Emmanuel Cherrier, pour une dernière question. De votre point de vue, quel pourrait être le rôle du continent africain dans l'échiquier mondial eh bien, je pense et j'espère euh, que l'Afrique pourra jouer un rôle important sur euh, les ressources. Je m'explique, aujourd'hui, la cybersécurité connaît une pénurie de ressources au niveau mondial, quel que soit le continent. Euh, aujourd'hui aussi, en Afrique, on peine à avoir effectivement des, euh, des ressources compétentes. Cependant, on est sur un continent avec une population qui est jeune. Euh, en tout cas, plus jeune que la moyenne mondiale dans les autres continents, sur laquelle on a des personnes très technophiles, très intéressées par la technologie. D'ailleurs, on vit souvent en Afrique ce qu'on appelle un peu le jump technologique, c'est-à-dire qu'on va, on va tout de suite aller vers les dernières technologies, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi une professionnalisation, une, une amélioration en fait de la, des filières euh, techniques. Et même cyber. Maintenant, on voit des, des écoles d'ingénieurs, notamment au Maroc, avec lesquelles nous, nous on, on, on travaille notamment, qui mettent en place des filières de cybersécurité auprès de, pour leurs étudiants. Et donc, je pense que l'Afrique peut avoir un rôle important au niveau mondial, déjà pour elle, pour fournir ses besoins en matière euh, de d'ingénieurs ou de spécialistes de cybersécurité, mais peut-être aussi euh, pour les autres continents. Donc, euh, j'espère que ça sera le cas, et euh, je pense qu'on peut avoir un bon espoir de la position de l'Afrique dans le dans le futur sur 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 cet échiquier. Absolument. Merci beaucoup Emmanuel Cherrier. Cette question des ressources humaines a été citée plusieurs fois. Salima, Amira, je me tourne vers vous. Quelles sont les perspectives en Afrique pour Microsoft et quelle est votre stratégie africaine Alors je voudrais déjà, merci beaucoup pour la question, mais je voudrais rebondir sur l'intervention d'Emmanuel pour lui dire que Satya Nadella est alignée avec lui. Parce qu'il dit que la réinvention de Microsoft se passera en Afrique c'est dire le, le, le rôle que peut prendre l'afrique dans l'échiquier mondial en général pas que sur l'aspect cybersécurité mais la cybersécurité est un des composants importants de par ses données démographiques de par la jeunesse du continent le, le vivier de, de, de nouveaux arrivants sur le marché du travail et c'est ce, qu euh, ce qui a aussi c'est ce qui s'est traduit sur une organisation spécifique à l'afrique unique d'ailleurs dans, dans Microsoft, qui n'existe dans aucune autre région, et qui s'appelle le Africa Transformation Office, qui va aller s'articuler en premier sur euh, un enabler majeur, qui est le développement des compétences, qui est donc le, le skilling des jeunes, avec une ambition euh, euh, très forte de contribuer l, au développement des compétences de 30 millions de jeunes, avec un grand pourcentage sur la partie cybersécurité, mais aussi, et pour servir euh, cette... cette ce vivier de compétences, il faudrait mettre en place l'infrastructure et l'écosystème qui leur permettent de rester dans le continent. Donc il y a un deuxième enabler important sur lequel nous sommes fortement comités, c'est l'investissement sur l'infrastructure dans le continent, l'infrastructure cloud bien sûr qui va s'adapter aux réglementations des différentes, des différentes régions. il y a aussi trois piliers majeurs donc les partenariats euh, stratégiques, pour revenir à un point qu'a cité Yassir tout à l'heure sur l'aspect de collaboration, donc on a beaucoup parlé de collaboration entre secteurs privés, mais l'échange et la collaboration entre secteurs privés et publics est très importante pour anticiper les attaques, pour arrêter euh, certaines attaques qui vont être dans certains pays et éviter qu'elles ne qu'elles ne se généralisent dans tout le continent. Il y a aussi la, le, la collaboration sur le champ réglementaire qui est importante. Les partenariats stratégiques ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent s'étendre au skilling, ils peuvent, euh, à l'éducation, pardon, ils peuvent s'étendre à l'infrastructure, etc. Et puis, pour construire ou terminer de construire l'écosystème, il y a euh, l'investissement ou le commitment de s'investir fortement sur euh, le développement des startups. Là aussi, une ambition très forte avec des dizaines de milliers de startups que nous souhaitons accompagné pour produire les unicornes africaines qu'on qu attend tous euh, avec des, des, des industries prioritaires mais on n'est on pas, pas fermé. Et puis un dernier pilier qui est l'accompagnement et le, le support au, au TPE. Le, le continent africain c'est 90% de, de TPE PME avec une bonne partie qui est dans le, dans l'informel, la majorité au-delà de 80% qui opère dans l'informel et qui est aussi grande consommatrice des logiciels illicites et donc un, une, une faille majeure, dans le continent, si on veut le voir de manière, de manière plus générale. Donc les accompagner, les faire en sorte qu'elles se digitalisent, qu'elles aient accès à des outils plus, plus démocratiques et qu'elles voient plus leur intérêt dans le, dans le formel. Merci beaucoup Merci Salima, Amira, Yassir Kazar. Je me tourne vers vous. Un mot de la fin pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui Le mot de la fin, si je peux, j'aimerais bien finir sur une anecdote qui, je l'espère, va parler à toutes les personnes, surtout les dirigeants qui nous écoutent. Il y a une affaire, moi, qui m'a beaucoup marqué. Elle a eu lieu il y a quelques années. Il y a Verizon, un gros opérateur de télécommunications américain, il a racheté Yahoo. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui, qui reconnaissent Yahoo. Et donc, durant l'opération de, de rachat, il s'est produit quelque chose d'extrêmement intéressant. Yahoo a fait face à une fuite de données massive. Euh, donc, au début, il y a un communiqué joint pour rassurer un peu le public hein, sur le fait que ça n'était pas dangereux. Mais malheureusement, il s'est avéré que la fuite était beaucoup plus conséquente euh, que ce qui n'a été dit. Et là, il s'est produit quelque chose qui m'a vraiment moins marqué, qui pour moi a signé un vrai tournant dans l'histoire de la cybersécurité. Verizon a demandé à Yahoo de revoir sa valorisation à la baisse de 30%. Et partant de là, pour moi, on était rentré dans un monde où la cybersécurité n'était plus du tout qu'un problème technique. C'est devenu une vraie métrique de performance, comme le chiffre d'affaires, comme le pipe, comme les, le nombre de leads, etc. Et donc, le message, pour un dirigeant, je pense qu'il faut retenir c'est que en fin de compte la cybersécurité n'est plus un centre de coût. C'est un investissement parce que potentiellement c'est un avantage compétitif. Aujourd'hui, à offre égale, l'acteur qui met l'investissement qui va bien dans la cybersécurité maintient la confiance en fait avec son écosystème. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont hésiter entre un site web qui a le cadenas et un autre qui ne l'a pas pour faire la transaction. Donc je pense que c'est essentiel que les, les, les dirigeants comprennent que sur leur feuille de route, s'ils n'ont pas un axe cyberstratégie, il y a quelque chose qui ne s'accale pas avec la réalité, avec les, les, les défis qu'on est en train de décrire de, depuis tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci pour votre éclairage et votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition des CFC Talks avec Casablanca Finance City.